Salam alaikum. Bonjour, 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 bonjour à tous et à toutes. Voilà, je voulais même pas faire de vidéo parce que je pense que c'est pas très très nécessaire, mais il y a une petite mise au point très très importante. Je vais parler ici à des faux blogueurs là, des faux blogueurs là. Je dis pas les vrais blogueurs, hein, les vrais vrais blogueurs. Les faux blogueurs qui pensent qu'ils connaissent la Guinée plus que eux, ou ils aiment la Guinée plus que qui. Ou vous aimez la Guinée plus que qui. Dites-nous, vous aimez la Guinée plus que qui. Si dès que tu soutiens, oh c'est un démagogue, oh c'est un mendiant, oh c'est monté cette. Hey, les gars, vous faites votre combat. Nous, on s'en fout. Critiquez comme vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, là, la Guinée est en train de bouger. OK? Les routes dont vous parlez, là, il y a 2000 km goudronnées en 2 ans. 2000 km. Vous pensez que nous, on soutient les gens par rapport à quoi? Vous pensez qu'on se lève pour dire qu'on soutient tel, 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 parce que quoi? Parce que quoi? Vous, vous êtes plus guinéen que qui? Vous êtes là-bas à boyer tous les jours, là. Hey, mettez les cœurs, mettez les gemmes, mettez les cœurs, mettez les... Nous, on s'en fout de vous. OK? Benito, toi, tes lèvres, là, on dit, panari. Tu mens comme tu respires. Vous êtes là à mentir matin, midi, soir. Vous connaissez quelle situation de la Guinée? Vous connaissez quoi de la Guinée? Dites-moi. Vous connaissez quoi de la Guinée? Ou vous aimez la Guinée plus que qui? Dites-nous. Vous aimez la Guinée plus que qui? Vous allez prendre des images, les allez couler. Donc c'est Mamadi Doumbouya qui a mis la Guinée en retard. Le retard de la Guinée aujourd'hui, là, c'est la faute à Mamadi Doumbouya. Donc dites-nous. Donc la, le tout le retard de la Guinée, là, c'est la faute à Mamadi Doumbouya. C'est sa faute. Il est ici, ça fait 2 ans. OK? Critiquez. Faites ce que vous voulez. Mais donnez-nous de bonnes raisons de critiquer. Voilà, vous êtes là seulement avec une campagne de dénigrer le monsieur, comme s'il n'a jamais rien fait depuis 2 ans, il est ici. Foutez-nous la paix. On soutient bien celui qui n'est pas content, il faut t'épandre. Moi, je m'en fous de vous. Vous me connaissez très bien. Vous êtes plus toqué que qui? Des faux blogueurs, là. On vous emmerde de A à Z. Vous pensez que quoi? Vous allez prendre les vidéos. Oh, il était avec Alpha Condé. Oh, il était... Eh, hey, tous les présidents de la Guinée sont mes présidents. D'accord? Voilà. Vous m'avez jamais entendu parler mal de quelqu'un ici. Je soutiens Mamadi Doumbouya à 10 millions de fois. Celui qui n'est pas content, il faut te parler. Moi, vos injures, j'en ai rien à foutre. Les artistes qui ont peur de ça, là, vous savez c'est qui? Moi, là, je n'ai pas besoin de vous. Je m'en fous de vous, de vos likes. Ce n'est pas vous qui m'avez fait artiste. Moi, je suis un artiste international grâce à Dieu. OK? On s'en bat les couilles de vous. C'est moi, je dis. Vous pensez que vous êtes guinéen que qui? Vous aimez la Guinée que qui? Foutez-nous la paix. C'est quoi ça? Des gars qui sont assis là-bas, là, ils foutent rien de leur vie en Europe. Ils ouvrent leur gueule comme ça, parler de la Guinée, comme s'ils connaissaient. Vous connaissez quoi de la Guinée? Vous connaissez quoi? Dites-nous maintenant, vous connaissez quoi de la Guinée? Quel blogueur? Quel blogueur? Vous connaissez quoi de la Guinée? Hein? Vous connaissez quoi? Vous connaissez les accords qui sont signés ici? Le tunnel que Mamadi Doumbouya est en train de faire, le tunnel de combien de kilomètres? Le tunnel le plus long de l'Afrique de l'Ouest, projet Simandou. Vous êtes au courant de ça? Il s'agit de quel pays? C'est notre pays. Nous, on aime la Guinée. Et comme on aime la Guinée, quiconque vient ici pour le développement de la Guinée, moi, vous dis, je vais te soutenir. OK? Je vais te soutenir matin, midi, soir. Celui qui n'est pas content, là, tu quittes le pays. Comme vous faites là, restez là-bas. Nous, on est ici. La souffrance des Guinéens, nous, on souffre ensemble ici. Mais ça va aller. OK? Cette transition-là, ça va réussir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire quoi? Dès qu'un artiste comprend, un artiste comprend souvent que le monsieur, là, il ne parle pas, il est en train de faire le développement de la Guinée. Oh, c'est un mendiant. Oh, il est vendu. Oh, il ne sait même pas chanter. Oh, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Yo, foutez-nous la paix. D'autres artistes arrivent. Hein. Ne vous inquiétez pas. Vous allez insulter tous les artistes guinéens cette fois-ci. D'autres arrivent. Voilà. Il y a d'autres artistes qui arrivent. Peut-être si les gens ont peur de vous parler. Moi, je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous aujourd'hui, je m'en fous de vous demain. Vos blogs là, j'en ai rien à cirer. Parce que c'est des conneries que vous racontez tous les jours. Vous êtes là à mentir au peuple. Vous pensez que vous êtes suivi de qui? Qui vous regarde même? Vous pensez que vous êtes trop star quoi? Oui, la situation de la Guinée. Oh, aujourd'hui, la Guinée c'est ça. Oh, le président Mamadi Doumbouya n'a pas mangé. Il a mal au pied. Vous mentez. Tous les jours, vous vous levez avec un nouveau mensonge. Hé, hey, foutez-nous la paix. La Guinée est en train de bouger. Si vous êtes prêts, venez, on va faire bouger la Guinée ensemble. Sinon, restez là-bas. Continue à aboyer tous les jours. Moi, là, mon nom dans votre bouche. Toi, Benito, ta bouche, on dirait Panari, bah, bien là. Je te préviens, ma bouche encore mon nom dans ta bouche encore, ça me sentit. Tu es malade, toi, tu connais la Guinée que qui? Toi, tu es qui même? Qui te connaît même? Hein? Qui te connaît?
C'est quoi ça, moi, les maudits là? Moi, je vais vous dire, moi, vos conneries là, moi, je suis plus toqué que vous. Vous me connaissez, vous faites exprès. Vous faites exprès, vous me connaissez très très bien. C'est Singleton, tu as bien fait. Takana, il a bien fait. Moi-même là, il est fini avec ça même. On soutient Mamadi Doumbouya. Tu n'es pas, tu es trop fâché là. Il ne faut, faut pas écouter notre musique. Désabonne-toi même. C'est quoi? Vous cassez les couilles aux gens. Vous faites vos conneries là. Qui vous empêche de soutenir qui vous voulez? Hein? Maintenant là, c'est la jeunesse qui va diriger la Guinée. Ok? Il n'y a que les jeunes maintenant qui gèrent le pays là. On est dans ça. Foutez-nous la paix. Qu'on a comme ça, soit assis derrière le bloc là, vous cherchez les gemmes, les cœurs, hein, mettez les cœurs, mettez les gemmes. Vous pensez que ça vous amuse pas? Vous voyez les tocards, les moutons vont vous regarder, vous pensez que vous êtes trop star, vous gérez la Guinée, vous gérez quoi? Si vous êtes garçon, venez. Nous là, on a tout laissé en Europe là-bas parce qu'on aime la Guinée, on est venu souffrir ici. Voilà. Et on crée de l'emploi encore à la jeunesse. Donc nous, on peut vous parler, fermez vos gueules. Moi, en tout cas, moi, je vous parle, fermez vos gueules. Parce que moi, je crée de l'emploi dans mon pays, je crée mes business. Et il y a des gens qui travaillent, je les paye par moi, ils vont nourrir aussi leur famille. Donc si vous pouvez parler là, ramenez vos fesses ici, on va se battre ensemble. Foutez-nous la paix. Moi, je soutiens Mamadi Doumbouya, j'ai bien fait. Celui qui est trop fâché, il faut t'épargner. Ok? Et puis il y a un mouvement de soutien même que je mets en place. Moi, je vais vous dégoûter. Vous me connaissez où? Laissez-moi tranquille, c'est la dernière fois que je vous parle. Toi, Benito, ta bouche au lieu, Panali, fesse le singe là. Il est là, menteur, il ment comme il respire. Toi, tu sais où moi j'habite à Abidjan? Si tu sais où moi j'habite à Abidjan, c'est que tu sais que j'ai une maison à Abidjan. Menteur là, que ouais, moi je sais où tu vis. Toi, tu sais où moi je vis. Hein? Il se lève ma tête, garçon qui lave ses lèvres, on dirait PD. Tu es malade, on a encore dans ta bouche, tu vas me connaître. Moi, je suis plus toqué que vous tous. Imbécile que vous êtes. Vous êtes là à mentir au peuple. Vous pensez que parce que les gens veulent, les aiment, oh, il faut attaquer Mamadi Doumbouya pour être populaire. Après, vous allez prendre l'argent, Facebook va vous payer. Vous vivez de ça, non? Nous, on vit dans la réalité ici. Ok? Voilà. À Conakry, ici, il y a plus de 2000 km goudronnés. On va soutenir. D'accord? 200 milliards qu'on a apporté à la Guinée. Si moi, je ne suis pas ivoirien, je suis guinéen. J'aime la Guinée. Donc, tout ce qui est dans le développement de mon pays, là, je soutiens à 100%. Celui qui est trop facile, là. Tu es trop facile. Il ne faut pas écouter ma musique. Si tu écoutes ma musique, c'est que tu es un maudit même. Il faut te désabonner de toutes mes pages. J'ai fait rien avec toi. Toi, tu penses que c'est vous, les Guinéens, qui m'avez fait ça. Ça va chez vous? Moi, vous m'avez connu. Moi, je suis star interplanétaire. Ok? Allez-y, bavez encore. Quittez là-bas. Moi, je m'en fous de vous. N'écoutez pas. Est-ce que vous achetez ma musique même? Donc, le fait de ne pas venir liker là, ça me fait quoi? Mon clip sort le 3. J'ai fait 1 million de vues. Il faut regarder. À l'international. Vous ne pouvez rien contre ça. C'est Dieu qui a fait ça. On est là, on se bat pour la Guinée. Vous êtes là. Dès que vous voyez quelqu'un qui soutient vous, ça veut dire que vous, il faut être dans votre esprit. Tant qu'on est dans votre esprit. Voilà votre faux Eli Kamanou là. Hein? Il est venu demander l'argent au président parce qu'il n'a pas eu ce jour les dangereux. Oh, maintenant il est bien. Avant là, vous l'insultez, non? Dès que quelqu'un n'est pas avec vous, vous commencez à insulter la personne. Nous là, on ne fait rien avec ça. Nous, on ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Moi, personnellement, moi, je ne cherche pas à vous plaire. Hein? Je m'en fous de vous et je suis constant dans tout ce que je fais. Ok? Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec toi à 100%. Ok? Vous parlez, ouais, le président Alpha Condé, lui c'est mon papa, je ne veux même pas parler de lui parce que je n'ai pas envie de dire des choses que peut-être je vais regretter. Sinon, ils ont cassé ma maison ici, vous avez fait quoi? Quand ils ont cassé ma maison à Dixie, là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi ici? Foutez-nous la paix. Regardez-moi eux là, vous aimez la Guinée que qui? Vous aimez la Guinée que qui? Merde. Encore ma bouche, mon nom dans ta bouche.